Nicolas Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission économique au sein de l'UNEP et vous êtes également entrepreneur du paysage dans la région de la Loire, à Laval précisément. Exactement. On est installé, le siège de l'entreprise est installé à Laval. Nous sommes une centaine de collaborateurs et nous avons également deux établissements au Mans et à Rennes. Et nous intervenons auprès des collectivités publiques, des promoteurs immobiliers, industriels et des particuliers. Autrement dit, vous êtes un excellent observateur de l'activité économique dans le secteur du paysage. 2022 a été une année exceptionnelle, n'est-ce pas ? Dans un contexte assez particulier et assez délicat en termes de conjoncture économique, politique et de marché, effectivement, la branche du paysage sort d'une année finalement assez positive pour nos entreprises, avec une croissance de chiffre d'affaires qui reste, malgré ces conditions difficiles, soutenue, et avec des perspectives de consolidation de croissance, de développement, d'innovation et d'investissement pour l'année à venir, qui reste tout à fait encourageante et solide. Finalement, vous avez traversé ces années Covid 2020-2021 avec pas mal d'aisance. Pas mal d'aisance, j'irai pas jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, ça confirme que les entreprises de paysage savent se montrer efficaces, résilientes et volontaires. Qu'on a collectivement et individuellement su dépasser les contraintes qui nous étaient opposées, que ce soit d'un point de vue sanitaire, bien évidemment, comme tout le monde, mais derrière ça également, dans l'adaptation aux conditions économiques, avec un niveau d'inflation qui a dépassé toutes les prévisions possibles. Finalement, c'est un des rares secteurs d'activité, le secteur du paysage, qui arrive finalement à tirer son épingle du jeu. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que les entreprises ont consolidé leur volume d'affaires, que bien évidemment, il y a une petite érosion des marges d'une manière globale sur le dernier semestre écoulé. Mais néanmoins, les entreprises continuent à recruter, continuent à prévoir des investissements, continuent à être dans une dynamique positive de développement, de croissance et de consolidation de leurs entreprises. Autrement dit, les perspectives pour 2023 sont bonnes ? Les perspectives sont en tout cas encourageantes. On se méfie des prévisions compte tenu des dernières périodes écoulées, mais un nombre d'indicateurs suffisants et positifs s'offre à nous. Le carnet de commandes des entreprises, par exemple ? Le carnet de commandes des entreprises en fait partie. On constate aussi une consolidation, notamment au niveau des marchés publics, une consolidation des devis avec une croissance un petit peu plus soutenue sur ce secteur de marché. Le marché des particuliers ralentit légèrement et celui de la promotion immobilière est peut-être celui qui doit nous inquiéter le plus aujourd'hui parce que effectivement il y a une vraie tension avec des opérateurs qui confirment les difficultés qu'ils rencontrent à l'heure actuelle. Un bon indicateur également, ce sont les projets d'investissement. Les projets d'investissement des entreprises sont orientés de deux façons. D'une part, pour renouveler et renforcer la capacité de moyens et d'intervention des entreprises. Donc le matériel. Le matériel, le parc de transport. Et en même temps, il y a une vigilance et une vision et une volonté certaine des entrepreneurs du paysage d'aller dans de l'investissement innovant pour améliorer le confort et les compétences de leurs entreprises et de faciliter l'intégration des collaborateurs, d'amoindrir les difficultés de chantier et d'augmenter la technicité et la qualité d'exécution des travaux auxquels on se confronte aujourd'hui. Alors ça c'est intéressant parce qu'en réalité ça tire le marché vers le haut de manière très qualitative. L'objectif est exactement celui-là, c'est de confirmer l'importance et la compétence et le savoir-faire des entreprises du paysage dans toutes les sphères de marché dans lesquelles elles interviennent. Que ce soit auprès des particuliers dans l'amélioration de leur cadre de vie, avec un jardin privé qui devient davantage un cocon et un espace de vie qui ne l'était par le passé, avec un investissement évidemment financier, mais aussi une volonté de s'approprier cet espace de vie-là pour les familles et d'en faire un vrai espace de bien-être et de plaisir. Au niveau de la sphère publique, on entend bien évidemment tout au long du quotidien l'actualité avec la renaturation des villes, avec la végétalisation des cours d'école, avec la réflexion et le rapport à la biodiversité qui sont autant de sujets sur lesquels les entreprises de paysage sont bien évidemment les premiers acteurs et les premiers vecteurs
vecteur de lien entre tous ces éléments de discussion. Alors justement, à vous écouter, on se rend compte que le jardin, le paysage sont des notions, des valeurs qui sont véritablement au cœur des préoccupations à la fois des pouvoirs publics, des collectivités, mais aussi des particuliers. Autrement dit, tous les sujets, pratiquement tous les sujets de la société, convergent vers une lecture autour du jardin, du paysage. C'est l'environnement, c'est à peu près ça. L'eau, exactement. La qualité de l'air. C'est tout à fait ça. On se retrouve sur tous ces sujets-là, l'ensemble de nos familles, que ce soit les paysagistes concepteurs, que ce soit les entreprises de paysage, que ce soit les producteurs de végétaux, on se retrouve au carrefour de ces liaisons-là. Les entreprises vont avoir vocation à justement rassembler et regrouper tous ces éléments et tous ces sujets-là. C'est extrêmement fédérateur. C'est très fédérateur, c'est très enthousiasmant, c'est motivant, c'est aussi... Un gros travail et des perspectives parfois élevées, mais effectivement, que ce soit sur les sujets sociétaux, on est au cœur de nos villes, on est au cœur de nos villages, on va intervenir aussi bien dans l'espace de vie privé comme on l'évoquait en discussion directe avec les particuliers dans la réflexion sur l'amélioration ou l'évolution de leur cadre de vie. On va aujourd'hui avoir vocation à rentrer dans les cours d'école pour accompagner les évolutions nécessaires et indispensables sur ce sujet-là, parce que c'est en partant de la base et des enfants et en accompagnant les enfants dans la découverte de la nature que l'on arrivera à recréer du lien et du liant sur l'ensemble des sujets nature qui nous occupent. Développer du végétal. On va développer du végétal, on va retrouver aussi une facilité d'accès et un accès évident et simple à la nature. C'est aussi d'un point de vue plus large à l'échelle de la ville, la désimperméabilisation des sols, la concentration urbaine, la qualité de l'air, les îlots de fraîcheur sont autant de sujets qui doivent être laissés à l'arbitrage de nos métiers, de nos compétences et de nos savoir-faire. On est là pour accompagner les élus, pour accompagner les collectivités dans leur renaturation. Et ce sont autant d'opportunités qui sont à saisir pour nos entreprises. C'est très valorisant finalement. C'est extrêmement valorisant. Dans un contexte un peu morose de manière générale, d'avoir finalement des sujets porteurs sur le long terme, mais exactement. Aussi le moyen et le court terme, qui engagent la société. Ben, c'est l'ensemble de ces perspectives-là qui peuvent aujourd'hui, et qui doivent, et qui certainement participent largement à nous aider à dépasser les difficultés quotidiennes que l'on peut rencontrer dans le pilotage, l'organisation et le développement de nos entreprises. On a au moins cette capacité à avoir des perspectives de développement, des évolutions naturelles à venir. Le génie écologique n'est pas un moindre sujet. L'aspect biodiversité qui doit s'intégrer dans l'ensemble de ces approches-là doit évidemment être aussi suivi avec beaucoup d'attention. Alors, le côté très positif de tout ça, c'est qu'on a un marché, un métier qui est extrêmement visible, qui continue à être sur une perspective de croissance. Alors justement, vous avez un métier visible, un secteur qui est porteur. Est-ce que les entreprises du paysage embauchent? Est-ce qu'elles recrutent? On continue à embaucher. On constate une petite évolution, en fait. Les entreprises sont en tension de recrutement depuis de nombreuses années maintenant, avec un solde positif de création d'emplois qui est en forte croissance depuis 4 ans et plus. Pour autant, on a aujourd'hui une structuration des entreprises qui conduit à ce que ce besoin de recrutement évolue et s'ouvre à des orientations et à des perspectives nouvelles. Est-ce que vous pouvez non seulement recruter, mais former les gens qui rejoignent les entreprises du paysage, qui peuvent être soit de jeunes étudiants, mais aussi des professionnels qui travaillent dans d'autres secteurs. Exactement. Par exemple, à la restauration, dans le secteur médical aussi, qui veulent s'orienter vers du jardin, vers la nature, vers de l'extérieur. Tout à fait. On se retrouve là encore au carrefour des sujets d'actualité.
Alors bien évidemment, on est un métier qui reste très attaché à la formation professionnelle. L'apprentissage, l'alternance, la formation continue sont autant de sujets qui collaborent avec nos entreprises et on accompagne les jeunes dans leur parcours et on a toujours des liens évidents avec les centres de formation. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on a un métier qui est visible, on a surtout un métier qui a du sens et que cette dynamique-là donne envie et oriente vers nos métiers effectivement des gens qui ont besoin sans doute de retrouver un horizon, une visibilité, une lecture positive de leur métier, de leur travail quotidien et de leurs orientations professionnelles, ce qui fait que aujourd'hui nos entreprises sont tout à fait ouvertes à l'accueil de personnes en reconversion professionnelle, tout public confondu, et j'allais dire tout niveau de qualification entendu également. Et ce aussi bien des hommes que des femmes. Bien évidemment, la féminisation du métier est tout à fait ouverte aujourd'hui. L'innovation, l'amélioration des conditions de travail, la réflexion sur les conditions d'exécution et l'équipement facilite parfois la féminisation de nos métiers. Mais au-delà de ça, de toute façon, c'est aussi une montée en compétences globales, un élargissement des besoins de compétences dans nos entreprises qui élargissent aussi le spectre des personnes que l'on souhaite accueillir. On travaille, on parle biodiversité, mais ça veut dire aussi amélioration des conditions de travail. Donc les sujets sociétaux, les sujets ressources humaines viennent s'intégrer dans ces sujets-là. La réflexion sur la renaturation des villes, sur l'évolution de la palette végétale, sur qu'est-ce que doit être la ville de demain, sont autant de sujets techniques, pointus, qui nécessitent une expertise importante et qui permettent d'aller chercher des compétences les plus ouvertes et les plus variées possibles. Des vrais sujets de fond. Des vrais sujets d'actualité et des vrais sujets essentiels à notre quotidien et à l'évolution de notre quotidien. Nicolas Leroy, merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie, avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.